السلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة من درايف ان فاست. مرحبا بكم زادة في أكبر برج في تونس، هو برج حلق الويد، وين باش نجربوا لا توت ديغنيغ سيتخوان لا دي اس 4. من قبل هذا الكل، لو سومير اون ايماج. اليوم حلقة خاصة avec l'essai complet de cette DS4, mais aussi un reportage très sportif au cœur des courses d'endurance, suivi d'un interview exclusif du président de la Fédération internationale de l'automobile, Jean Todt, de visite en Tunisie. Okirada, je t'en fous tout sur l'actualité automobile qui tourne sur le monde avec les news de la semaine. Voici en image la toute dernière Fiat Panda. Elle est de neuf seul format avec le Panda l'Ekdima, puisqu'il s'agit plus d'un facelift extérieur et intérieur, même si c'est un nouveau modèle. Mais le bar en a donc d'aujdid, le codem ou le télé, beaucoup plus séduisant, avec une face avant bien plus sympathique. داخل نلاحظوا برشا تغييرات كي نقارنوها مع الموديل اللي قبلها. ان انتيريور اوريجينال اي بيان اسامبلي. الكهرباء واسعة مالغري سون بتي غابري. في الوقت الحاضر دار فيات في تونس ماهيش ناوية تسوقها، اما شكون يعرف. ناخذوا في تونس من دار مازدا، هي جابت لنا دو نوفو موديل في سوق السيارات. واحد كومباكت اللي هو المازدا 3 كونكورونت دي فولكسفاجن جولف و اوتر فورد فوكس، وان برلين اللي هي المازدا 6 كونكورونت دي بيجو 508 و سيتروين C5. جوج كراهب جود دونك ا لاسي تري بروشينمون في درايف ان فاست. الجمعة هذي حضرنا في الشوروم سيتروين في اللاك و سيتروين أرديس. كم شاك أني depuis maintenant 3 ans الشوروم ولا une galerie d'art l'espace d'une semaine au profit de l'association d'assistance aux grands handicapés à domicile. Fidèle à ces rendez-vous avec nos amis artistes de différents milieux, de différentes catégories. Nous organisons cette fois-ci le Citroën Arthès à l'honneur d'une association qui conduit une activité caritative extraordinaire. C'est l'association d'assistance aux grands handicapés à domicile. Les associations ont eu beaucoup de mal l'année dernière à s'autofinancer, à maintenir nos activités du fait de ce qui s'est passé. Et nous avons songé cette fois-ci à donner l'exemple de solidarité entre nous tous Tunisiens afin que d'autres sociétés font pareil, parce que les associations ont vraiment besoin de notre aide, ont besoin de fonds, et les gens dans l'avenir, dans le quotidien lié à ces associations ont besoin de nous tous, ont besoin de vous. Et la moindre des choses qu'on puisse justement faire pour eux, c'est de mettre à leur disposition cet espace, ces efforts, notre base de clientèle, pour qu'ils puissent collecter le maximum de fonds afin de continuer cette œuvre de charité, cette œuvre d'assistance, cette œuvre importante pour la vie de nous tous. Nous avons donc diverses œuvres d'art, sculptures, peintures, photos destinées à être vendues pour cotiser des fonds. Une très belle initiative et l'occasion aussi de voir de plus près les dernières nouveautés de la marque, dont la DS4 que nous avons eu le plaisir d'essayer. بعد الDS3 يخت الكبيرة الDS4 اللي باش نكتشفوها dans les moindres détails. الDS4 هذي خلت نفس الفورمول مع الDS3 اللي هي كهرباء شيك avec un design séduisant et une finition en progrès. نفس l'objectif اللي هو concurrencer enfin les allemandes, référence dans les voitures premium.
It's not a movie, this is not a script to proofread. I spit some untruths to dumb fools with groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make a master take. Put in your face, oh my mistake, you're not a floozy. Nous avons donc un design très soigné au fin au Barça avec une grande calandre chromée. Fourkman a le fameux logo DS pour différentes spirits, ou l'esprit différent. Le Mawjoud Z a Kima al DS3, Vaubel Diod, est très discret. عجنب اللحظة اللي الكهرباء عالية أعلى من آخر سيتروين سي 4 اللي عندها معها نفس البلاتفورم أما مش نفس الديزاين puisque nous avons une ligne très fluide, مخدومة برشا, بالأخص au niveau des ailes, avec un très bel espace vitré entouré de chrome qui visite l'aspect chic de la voiture. اللحظة زادة اللي البوانيه de porte مش موجودة على الباب التيلاني كالكهرباء الكل mais nous avons dissimulé au niveau de la vitre arrière façon Alfa Romeo 156 ce qui donne l'allure d'un coupé à la voiture sous certains angles. Mais le télé, on retrouve le travail dans la carrosserie, le pare-choc ou le bouclier, et les mardoumines barcha homa zeda, le fluidité de la ligne de Zawiliouf à l'ajnebel car. بالمقارنة مع السي 4 الديزاين دونك تبدل برشا من برا ومن الداخل نفس الحكاية لا فواتور ا ايفولوي اي ا سورتو غاني اون كاليتي اي اون فينيسيون حتى كان الزوز كراها بيقربوا لبعضهم نحسوا باللي الفينيسيون تحسنت دابور او نيفو دي بلاستيك دو ميور كاليتي في الكونسول سنترال وفي الفلس اي سورتو افيك سو كوير دون نوتر موديل دي سي. Alors l'intérieur de cette DS4 est tout simplement exceptionnel. D'ailleurs, je crois que jamais une Française n'a atteint un tel niveau de finition, puisqu'on a un tableau de bord en cuir, des sièges en cuir vraiment sublimes avec un énorme travail, façon bracelet, comme disent Citroën. La KOZ a fait créer un réglage électrique à mémoire et maçon. Darlene Nevaoui, c'est très lumineux, notre modèle étant équipé du pare-brise Zenith, من لي بارسولي جابدو التيلي باش يزيدو يضويو الكهرباء ويزيدو يكبرو السرفاس فيتري مانيفيك اي انوفون. L'instrumentation est claire avec la climatisation automatique, un très beau volant multifonction où on retrouve le fameux logo DS, et trois compteurs cylindriques كيما على DS3 اللي وافرينو مزيانين برشا avec un ordinateur de bord. مالتيلي لفظة موجود والبنكات مرتاحة بالأخص بالجلد هذا. Malheureusement, حاجة بهتتنا هما شبابك التيلانين اللي ميتحلوش, دوك من غير ما نلوجو فلسة ولا كوموند ما فما حتى إمكانية باش نحلوهم, خسارة. Côté chargement, نلقاو كفر كبير وواسع avec une très bonne capacité et une banquette entièrement rabattable, 2 tiers 1 tiers, avec au résultat bien sûr un plancher plat. Alcaïs, c'est made in Citroën, confort royal. Suspension Heila, ma femme a hatarasha, la voiture est extrêmement stable, extrêmement confortable. Le comportement est même dynamique, le karabat kebj fil kaes, fadil la direction mtaha très précise, bella khas fil durat ou fil les accélérations, où il a une excellente tenue de route. Notre modèle était équipé d'une motorisation diesel, le 1.6 litre HDI 110 chevaux, très silencieux pour un diesel mulbara, ou mulder l'axel Z grâce à la très bonne insonorisation de l'habitacle. À noter le détecteur d'angle mort très pratique au moment des manœuvres ou des dépassements. Le Kauma a une boîte de vitesse à 6 rapports, précise où c'est la fistarmel. Menahit la Suem Barchanoa Manjoudine, deux finitions, Sochik et Sporchik, et deux motorisations, Warda Essence ou l'Okhra Diesel, il y a obdé au Bfinin ou Khamsin Malioun ou Mietel. الكهرباء متاع اليوم تسوى 70 مليون و 250 ألف سي لا فيرسيون لا بلو لوكسيوز افيك لو باربريز زينيث لو كوير انتيغرال اي ايسي اون موتوريزاسيون ديزل. L'esprit DS revit donc après la DS3 avec la DS4 qui rencontrera elle aussi certainement un succès mérité après le Caravanesha, un beau design, un intérieur de toute beauté et une excellente tenue de route. Tout de suite, un reportage dans le monde du sport automobile et la course d'endurance, suivi d'un interview exclusif de Jean Todt, le président de la FIA.
rien de tel que le stress de la course pour se mettre en condition. On revient avec nos trois voitures, les 9 pilotes. Répétition générale pour tout le monde. On est plus là pour bien se caler avec les coéquipiers, les ingénieurs, toute l'équipe, pour qu'en fait on se mette dans une situation de course avec la pression. Every race driver, every race team wants to come to race and win. C'est l'occasion de rentrer encore plus dans la course et dans l'esprit des 24 heures. Il y a eu un drapeau rouge, donc interruption de séance suite à un accident. Accident suffisamment sérieux pour que la séance ne reparte pas. Nous, on est parti après le début de la séance, donc peu de temps avant l'interruption. Et du coup, on se retrouve avec simplement des tours de lancement comme tour chrono, voire pas de temps du tout dans le cas de la numéro 8. More and more pressure, so they done a few more mistakes, and then with a little bit of luck and a small amount of talent, I overtook them, and I was very happy with that. It's exactly what we wanted before Le Mans. On acquiert de la confiance, une confiance tout à fait limitée et raisonnée, parce qu'on voit très bien que les écarts sont extrêmement faibles, qu'Audi est très perfo et que la course au Mans sera extrêmement disputée. Chantal, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accorder cette entrevue. C'est un véritable plaisir et un honneur que de vous accueillir ici en Tunisie. Alors pour nos téléspectateurs, vous êtes le président de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile. Mais vous êtes également à la tête d'un des plus beaux palmarès du sport automobile. 13 titres de champion du monde en Formule 1 avec la Scuderia Ferrari et Michael Schumacher. C'est également du rallye avec 4 titres de champion du monde. Et enfin de l'endurance avec 2 victoires au célèbre 24 heures du Mans.
Alors aujourd'hui, vous attaquez à nouveau à cette autre discipline majeure qui est l'endurance, en lançant avec l'ACO un tout nouveau championnat du monde, le WEC. Pouvez-vous nous en dire davantage et pourquoi la création de ce championnat ? En effet, mais ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que je me suis intéressé au rallye raid. Oui. Et la Tunisie est un magnifique pays. Est un magnifique pays pour accueillir ce type d'épreuve. Et j'étais d'ailleurs venu à l'époque à l'occasion du rallye raid en Tunisie qu'on avait gagné à l'époque avec la 205 et la 405 Turbo 16. Et en fait, c'est ma dernière visite dans votre magnifique pays. Pourquoi le championnat du monde des voitures d'endurance ? Eh bien, tout simplement parce que ça manquait dans l'organisation des différents championnats du monde dont la FIA est à l'origine. Donc, l'endurance avec des courses notamment comme les 24 heures du Mans, ce sont des courses historiques, emblématiques, avec des règlements extrêmement intéressants qui permettent l'utilisation de voitures avec des nouvelles technologies, avec des voitures, ces dernières années, ce sont des voitures avec des motorisations à diesel qui ont gagné. Là, on a mis en place un nouveau règlement à partir de 2014 avec des récupérations d'énergie extrêmement élaborées. Donc, c'est également un vrai banc d'essai pour les constructeurs. Malheureusement, cette année, il y a eu au dernier moment la décision de Peugeot de se retirer pour des raisons de problèmes économiques au niveau de leur groupe. Mais néanmoins, il y aura cette année la participation de Audi, la participation de Toyota qui revient. Nissan également. Il y a Nissan. Avec un très beau prototype, hein, Nissan. Une très belle voiture. Je vois que vous suivez ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis en 2014, il y a également le retour de Porsche. Donc, sans parler évidemment des équipes privées, donc un championnat passionnant. J'ai d'ailleurs participé, j'étais présent lors de la première course qui était il y a une dizaine de jours aux 12 heures de Sebring. Justement, j'allais y venir puisque le 17 mars dernier, lors du lancement de ce tout nouveau championnat, je pense que vous avez fait plaisir à tous les fans d'endurance, car hasard du calendrier ou non, ce même week-end avait lieu le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison dont on connaît la grande notoriété. Pourtant, vous avez choisi d'assister au lancement du WEC aux États-Unis plutôt que de la F1 à Melbourne, en Australie. C'est un signe fort. Pourquoi ce choix ? On pourrait dire aussi qu'au lieu d'être hier au Grand Prix de Malaisie, j'étais en visite officielle en tant que présidente de la FIA en Algérie, où j'ai passé du temps avec notre fédération sportive, avec le Touring Club d'Algérie. Et aujourd'hui, lundi, je suis en Tunisie avec mes amis de l'Automobile Club, avec mes amis du Touring Club, et puis avec le célèbre Chadlis Witten. Donc je participe à quelques courses de Formule 1 tous les ans. J'irai d'ailleurs au Grand Prix de Chine dans un peu plus de 15 jours. Ensuite, je participe également à des courses d'endurance, j'y suis présent, à des rallyes, j'étais au rallye de Monte-Carlo, j'étais à la première course du championnat du monde des voitures de tourisme à Monza, j'assisterai à une course du championnat du monde des voitures de grand tourisme, donc je regarde avec intérêt tout ce qui se passe dans la compétition automobile. Donc aujourd'hui vous êtes en Tunisie. Justement, qu'attendez-vous de cette visite et de notre pays en matière de sport automobile pour les années à venir? Alors, la FIA a en fait deux pylônes principaux. Un dont on parle actuellement, à savoir le sport automobile au niveau mondial, et où la FIA est le législateur et le régulateur du sport automobile à l'échelon mondial. Et puis la partie mobilité, qui est souvent une partie moins connue de notre organisation. Nous sommes présents dans 132 pays avec plus de 230 clubs, des clubs sport, des clubs mobilité. Donc j'en profite également pour rencontrer mes différents collègues des fédérations nationales, des clubs nationaux. Je rencontre les gouvernements, je rencontre différents organismes internationaux pour parler notamment
de sécurité routière. La FIA soutient la décennie d'action pour la sécurité routière 2011-2020, qui est une initiative des Nations Unies. Donc nous avons des contacts avec la Banque mondiale, avec l'Office mondial de la santé, avec la Croix-Rouge, avec les différents organismes, avec les pays, je le répète, pour lutter contre les accidents dans le monde. 1 300 000 morts l'année dernière sur les routes, 50 millions de blessés. Si des actions vigoureuses ne sont pas engagées d'ici 2020, il y aurait 2 millions de morts, il y aurait 80 millions de blessés. Donc vous voyez ce que ça représente. Et si je prends l'exemple d'un pays comme la Tunisie, où vous avez une dizaine de millions d'habitants, il y a tous les ans 1500 morts à peu près, il y a 15 000 blessés. Donc c'est une situation absolument inacceptable où la FIA est fortement engagée pour améliorer cette situation. Et puis évidemment, alors là aussi, je vous disais deux pylônes, mobilité et sport. Il y a une grande synergie entre les deux. On a nos plus grands champions qui sont aujourd'hui des ambassadeurs en faveur de la sécurité automobile. Michael Schumacher a été le premier en s'engageant dans cette bataille, si je puis dire. Vous pouvez voir sur son casque, comme sur celui de Sébastien Vettel, comme sur celui de Sébastien Loeb, FIA, Action for Road Safety, vous le voyez ici, donc c'est un engagement total, permanent. Pour parler plus précisément de sport, eh bien évidemment on a des ambitions, nos clubs nationaux ont des ambitions, évidemment elles dépendent également de la situation des pays, de la situation économique, de la physionomie des pays, de la stratégie de nos clubs, de la politique en fonction des pays. Un pays comme la Tunisie a tout le temps été passionné par la compétition automobile. Vous savez mieux que moi que je fonde beaucoup d'espoir pour que de nouveau des épreuves nationales et internationales puissent s'organiser dans votre pays. J'espère, on espère aussi, parce que les Tunisiens adorent le sport automobile en tout genre. Et une question me démange, puisqu'il y a quelques années, des idées de circuits commençaient à prendre forme. Pensez-vous qu'un jour, le Maghreb, la Tunisie en particulier, aura droit à son propre circuit, un vrai, capable d'accueillir des épreuves aussi prestigieuses que le WEC ou encore de la Formule 1? Alors, là aussi, peut-être un mot sur les circuits. C'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut être également réaliste et les pieds sur terre. Donc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui la Tunisie soit en mesure de prévoir d'organiser rapidement un Grand Prix de Formule 1. En tout cas, je le lui souhaite. Mais cela étant, ça commence par le karting. Donc il faut commencer avec des ambitions peut-être plus modestes, mais mettre en place rapidement un circuit pour les jeunes, pour qu'ils puissent commencer à goûter aux joies de la conduite, qu'ils puissent apprendre également, puisque pour revenir également sur les accidents, il y a un problème d'éducation. Vous avez tous les ans sur les routes des enfants, des écoliers qui, en se rendant à l'école, sont tués, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc il faut apprendre, très jeune, à comment conduire et à comment se conduire. Et là, des disciplines sportives comme le karting sont essentielles. Et puis, si on parle d'un circuit automobile ou d'un stade automobile, eh bien, ça permet d'apprendre à conduire une voiture, à conduire un camion, à conduire un autocar. Lorsqu'on a un permis de conduire qui est parfois obtenu d'une manière trop simple, eh bien, on ne maîtrise pas sa voiture. On ne maîtrise pas les éléments et ça provoque des accidents. Alors que si on peut avoir une formation sur un stade automobile, eh bien, on sera capable de mieux appréhender la conduite et puis d'être moins dangereux pour les autres. Merci beaucoup, Jean-Todd, de nous avoir accordé de votre précieux temps. Merci, Cécile Lisuten. Et je vous dis à très bientôt, sans doute les 16 et 17 juin prochains, pour moi, aux 24 heures du Mans. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
J'entends dire qu'il y a un sport automobile qui tourne sur la Formule Tunisie et fait Drive and Fast parce qu'on a fait un tableau du spectacle des pilotes de talent et des amoureux de l'automobile. En attendant, on est là, même heure, même chaîne. Salut!